Alors, le traitement, je crois que, ben, en fait, il n'y en a pas. Je ne sais pas s'il existe vraiment une méthode. Je ne sais pas du tout s'il existe un. Il paraît qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à en sortir. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Là, maintenant, c'est mort, quoi. Enfin, c'est tout. Moi, faut que je vive avec. Alors, en fait, il n'y a pas de traitement. En fait, c'est incurable. D'abord, il faudrait vouloir être traité. Mais il n'y a pas vraiment de traitement pour que ça s'arrête. Après, est-ce qu'il faut toujours traiter? Moi, je suis pas sûre, hein. Alors c'est vrai que le traitement pour le virus, en fait, au départ, il est assez coûteux. Tout mon argent de poche y passait. Ça m'a coûté toutes mes économies. On va être clair, mes parents me donnaient à l'époque, c'était en France, 200 francs par semaine pour manger. Je mangeais pour 100 francs. Puis les autres francs, ça partait là-dedans, bien sûr. Je me suis habitué à avoir un portefeuille vide. Ça peut coûter beaucoup d'argent. Ça m'a forcé à travailler et à dépenser tout pour essayer de me soigner ou de me contaminer encore plus. Je ne sais pas trop comment voir les choses. Après, c'était sauter des repas, c'était bouffer un sachet de cacahuètes le midi au lieu de faire un vrai repas. Bon, puis des fois, on a quand même un peu. On se dit, ouais, non, il faut arrêter les conneries, quoi. J'essaie d'étaler, j'adopte quelques stratégies. Ça passe sous le radar de mon conjoint ou de mon banquier. Moi, il n'y avait pas ce problème-là dans ma famille. On pouvait y avoir accès facilement. Le problème, c'est que ce n'est pas remboursé par la Sécu, mais quelque part, ça enlève d'autres médicaments aussi. Ça permet des fois d'aller mieux, ça permet d'apprendre à décoder aussi ses émotions. Il y a plein d'outils pour se procurer. Voilà. Puis il y a une grosse communauté. Enfin, moi, je leur donnais des petits gâteaux et eux ils donnaient des. Enfin voilà quoi. Donc c'était un échange. Chez mes grands-parents, il y avait de quoi faire. Un échange avec des jupes. J'ai commencé à pouvoir y travailler à 20 ans. Ça reste un peu coûteux. Après, ce qui est assez chouette, c'est qu'on a la solution miracle juste à portée de main. On en avait pas mal à disposition en fait au boulot. Souvent, j'avoue, je paye pas toujours. Mais le mieux, c'est encore créer sa propre librairie, comme ça t'es jamais en manque. Mais à partir du moment où j'ai pu en vivre, c'était pas la folie, mais c'était super, quoi.